Bon les gars, je viens d'inventer un sport. Ce sera un sport collectif, 6 contre 6. J'ai pas assez de doigts. Mais là où t'as le football ou le basketball qui joue avec un ballon, moi je vais plus loin. On va jouer avec un espèce de galet, hein, qu'on va appeler ça le palais, comme le palais breton. Ensuite, qui dit sport collectif dit passe. Et ce palais, on va pas se le passer avec le pied ou avec la main. Non, nous on va plus loin. Nous on va utiliser un bout de bois, ok? On va utiliser un bout de bois, ça s'appellera la crosse. Bon là j'avoue, j'ai copié sur le handball et le football, mais pour marquer des points, il va falloir marquer des buts mon gars. Mais là où je vais plus loin, c'est que les buts, ils vont faire la taille du gardien. Donc ça on va bien galérer. Ensuite, comme on est des bonhommes, ça va être un sport de contact. Bon, qui dit contact, dit blessure. Moi j'en veux pas trop, donc on va bien s'équiper les gars. Hein, épaulière, plastron, genouillère, on va ressembler à ça, hein. Mais c'est pas grave, avec le bâton, on pourra quand même faire des trucs, hein. Bon, et la grosse innovation, c'est que tout ça les mecs, on va le faire sur la glace. Et pour se déplacer plus vite, on va utiliser des patins mon gars. Et ouais. Et j'ai appelé ce sport le hockey. Allez, c'est parti. Non, le hockey sur glace. Parce qu'à tous les coups, il y en a un qui va l'inventer sur gazon. Et ça, ça va pas me plaire. Donc ce sera le hockey sur glace. Bonjour à tous, c'est Yann. How are you? Fine, thank you, coquilou et coquinette. Là, il n'y a pas besoin d'être fan de basket parce que est-ce qu'on peut s'amuser quand on n'y connaît rien? Je m'y connais pas trop mal en basket, donc je fais des vidéos NBA, mais comme je n'y connais absolument rien en NHL, est-ce qu'on peut quand même s'amuser en faisant un jeu de hockey? Ok, et eh ben on va voir ça tout de suite. Hein. Allez, on attaque avec ma manette CJ23, intro la classe. Je mets mon doigt dessus, je suis un peu con. Voilà, superbe. Allez, on appuie sur A. Alors, on arrive direct là-dessus. Facile, est-ce que je m'y connais? Alors, pas du tout, donc on va aller directement sur le facile. Hein. Alors, les équipes, je ne les connais pas non plus. Hein, donc on va jouer pour New York. Hein, je sais même pas si c'est la finale de l'année dernière. Hein, comme je vous dis, je ne connais rien. Donc, si tu es fan de hockey, ne regarde pas cette vidéo parce que à mon avis, je vais t'énerver avec le peu de connaissances que j'ai sur ce sport. Vraiment, vraiment. Débuter le match. D'accord. Ça commence direct par un match. Ok. Extraordinaire. Ok. Alors, attention. Maintenir la bande. Bagarre. Harp. Ok. Contrôle. Feinte. Passe le B. Tire poignet. Tirer feinte, passe. Je sens que ça va être compliqué. Je sens que ça va être horrible. Déplacer joueur, ça va. Passe lobé, tire du poignet, harponnage de la rondelle, mise en échec corporel, autre joueur déplacé. Harponnage. Harponnage de la rondelle. J'ai l'impression. Est-ce qu'on est sur un jeu vidéo ou un film de cul? Je vais t'harponner la rondelle quand même. Le mec. T'imagines les face à face avant? Tu vas voir toi. Toi je vais t'harponner la rondelle. Oh. Bon. Alors je ne connais absolument aucun joueur. Ma dernière expérience de jeu vidéo sur le hockey, c'était Slapshot sur Master System. Donc autant vous dire que ça remonte. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Ok. Il a lâché. Ah, je l'ai. Hop, je la passe. Superbe. Superbe. Comment? Je ne me souviens plus comment est-ce qu'on tire. J'ai tiré là, c'est ça? Ah, baston! 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 Pas du tout. Ok, très bien. J'ai pas compris ce qui s'est passé, encore une fois. Peut-être un... Je sais qu'il y a des règles de hors-jeu ou de dégagement illicite, enfin interdit. Je sais pas du tout. Hop là! Voilà, super, bon là encore. Tire du poignet! Voilà. Ok, c'est récupéré encore. On est chaud là. Hop. Ah oui, je t'ai vu. Tire du poignet. Oh, score. Goal. Bye, New York. Bon, je crois que j'ai peut-être choisi un niveau trop facile. Alors, on voit le replay. Les replays sont magnifiques. Ah, j'avais bien vu, hein. J'avais bien vu le mec qui se décalait là, en plein centre, là. Ah ouais. Ah si, je vous promets, je l'ai vu. Attention. Ah, superbe. Parce que l'inconvénient du hockey, c'est que pour moi, c'est l'un des jeux les moins... Enfin, l'un des sports les moins télévisuels du monde. C'est-à-dire que quand... Les rares fois où je regarde un match de hockey, généralement, c'est des Jeux Olympiques, je ne comprends qu'il y a but que quand les mecs lèvent les bras. Ils font « Ouais !» Je fais « Ah tiens, il y avait but. » Attention ! Attention, on va en défense. Attention, voilà. Alors, c'est le seul sport collectif, hein, vous remarquerez, où on peut passer derrière les buts. Allez, on est parti. Voilà, superbe. Je m'approche encore, je la mets en retrait. Et c'est la frappe. Oh, dans la lulu.
magnifique. Bon, un peu trop facile, hein, ça je vous le cache pas. Ah, il s'appelle Quick. Le mec, il a un nom de fast-food. La honte. Allez. Alors, comment j'ai fait, là, la passe en retrait, comme je l'avais prévu. Ah ouais, magnifique. Magnifique. Alors ça, vraiment, le tueur. Vraiment le gros tueur. On la revoit encore. Les replays sont magiques, hein, pour le coup. Vraiment, c'est sympa. Ah, les personnages sont vraiment bien modélisés. Ok, ok. Bon, j'ai clairement mis un niveau trop facile. Attends, comment on fait une mise en échec, je crois c'est... Ah ! Ouais, je crois que j'ai tamponné. Allez, on passe derrière la cage. Hop, on est dans notre zone de défense, hein, matérialisée par les lignes bleues. Là, on va rentrer en zone d'attaque. Je te la mets là derrière comme ça. Je te la mets sur le côté aussi. Vas-y, fais une frappe. J'ai marqué ? Ouais, c'est un peu simple. Je vous cache pas que c'est un peu simple. Là, en plus, bah là, comme je vous le dis, j'ai même pas vu qu'elle était rentrée. Il s'est passé quoi? J'ai pas vu. J'ai rien vu. Attends. Ah, j'ai mis premier poteau, mais... Voilà, c'est tout. C'est tout. On est qu'à la 14e minute là, de ce premier tiers-temps, parce que hein, le hockey, je crois bien que c'est en tiers-temps, si je ne fais pas d'erreur. Alors, attendez, fin de tir. Hop là, non, c'est pas ça. Ah, il m'a fait tomber. Oh là là, ça va, j'ai bien défendu. Ok. Tiens, toi, je te la passe, voilà. Allez, on va passer derrière les buts. Allez, on passe derrière les buts. Voilà, superbe, on la met en retrait. Je me décale un petit peu. Oh là 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 là, c'est trop facile. Ce jeu est trop facile. Non, par contre, je comprends pas comment ça peut être aussi simple. Honnêtement, je comprends pas là. Je pense que je vais faire qu'un seul tiers-temps. Hein. Parce que là, ça sert à rien. Il aurait fallu que je mette un niveau un peu plus dur. Mais c'est bon pour le moral, hein. Comme disait la compagnie créole. Franchement, on est bien. Hein. Ah ouais, on est bien. Allez, vas-y. Passe, je m'en fous. Est-ce qu'on peut essayer une autre caméra éventuellement? Bon, en fait, j'ai pas changé la caméra. Voilà. Allez, et je vais essayer de mettre le gros... L'en mettre un gros... Ah ouais, donc là, il l'a tiré en lobé. Ok, superbe. Les mecs, ils ne veulent pas défendre sur moi, hein, clairement. Clairement. Est-ce que là... Voilà, fin de tir, magnifique. C'est bien géré, ça la frappe. Oh, le gardien qui a fait un arrêt. Attention, j'essaie de le mettre en échec. Oh, tiens. Oh, comment je l'ai... Oh là là, contre la balustrade, comment je lui ai fait mal, le gars. Superbe. Allez, c'est la contre-attaque. Ta-ta-la-ta-la-ta-la, je t'ai vu côté gauche. Et frappe, mon gars. Ah, j'ai l'impression qu'il a harponné le palais, là. Il a harponné le palais ou le... Je sais plus comment... Je sais même plus déjà le terme. Là, c'est encore la passe. Ouais, je m'amuse, là. Je m'amuse pour l'instant avec eux. Ouais, c'est bien fait, hein. Là... Oh, oh, le poteau. Le poteau, alors j'ai visé la Lulu. Oh là là là, dommage. Allez, je suis tout seul. Oh là là, ah, ça y est, il commence à défendre un peu, les gars, là. Ça y est, enfin. Voilà, hop, je te feinte, mon gars. Oui, je t'ai feinté, je repique au centre. Et je vise la Lulu droite. Bon, ça marche pas. Je tente une mise en échec encore ou pas? Non, c'est bon. Alors là, pour l'instant, enfin, une action qui ne s'est pas terminée par un but de ma part. Ah non, mais ils défendent pas, les gars. Clairement, ils défendent pas, là. C'est trop easy. Oh là 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 là. Ok, oh, arrêt du gardien. Ah, baston. Eh, parce que dans... Ok, dommage, parce que dans le hockey, hein, nord-américain, on peut se taper. Hein. Alors, il paraît que c'est beaucoup moins courant, mais il y a des bastons où les mecs sont obligés d'enlever les gants. Et là, ça se bastonne. Oh, superbe, ça. J'ai fait une espèce de 3-6, j'ai pas tout compris. Oh, baston. Allez, on se tape ou quoi, là-haut? Mais vas-y. Oh là là là. J'ai pas tout compris, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le gardien l'a arrêté, je sais pas, j'ai peut-être touché, faut pas toucher le gardien, pareil là, ça je n'ai pas compris. Allez, on se bat pour l'engagement là, voilà. Ah si, oui, et les seules connaissances que j'ai sinon dans le hockey, c'est Wayne's World. engagement, voilà, voiture. Attention, j'essaie de le mettre. Oh, je me suis fait bouffer. Oh, le tir qui m'a mis. Ah ouais, les gardiens pas contents. Là, j'ai pris cher. Bon, on voit au niveau de la foule qu'on est à Los Angeles, hein, clairement. On est au Staples Center. Bien joué, Kyle Clifford. Je veux juste revoir ta frappe. Oh, le slap shot, magnifique. Magnifique tir. Mais bon, ça fait toujours que 4-1, je crois. Oui, voilà, on est en mode petit poème. Allez, hop, je me bats pour la remise en jeu, superbe. Hop là, si j'appuie sur B, ça fait quoi?
D'accord, c'était une frappe. Ok, très bien. Bon, c'est récupéré par le gardien qui, voilà, qui la laisse pour son défenseur. Allez, est-ce qu'il y a moyen de l'intercepter? Voilà, oh, j'essaie de la mise en échec. J'essaie de la mise en échec contre la balustrade. Oh, j'ai complètement raté, mais c'est pas grave, c'est l'interception. Allez, il ne faut pas passer la ligne d'attaque. Voilà, il faut la passer en premier. Et je tente la frappe. D'accord. Nul. Je me suis fait une passe avec la balustrade. Superbe. Allez, il reste plus que 8 secondes. C'est le dernier. C'est le dernier. C'est la frappe. Hop, je le retente encore. Je frappe. Ah, c'est fini. Bon, hé. Hey. Je pense qu'on va rester là, on va juste faire un tiers-temps, c'était juste en gros la grosse découverte. Et est-ce qu'on peut s'amuser sur un jeu auquel on ne comprend rien? Je pense que oui, sincèrement, je pense que oui. Donc, si vous avez aimé ce principe, moi j'ai d'autres jeux comme ça, où je ne comprends pas, des jeux de sport ou même d'autres jeux. Et voilà, est-ce qu'on peut s'amuser en y comprenant que dalle? Voilà les coquinous et les coquinettes, c'était Jordan, une vidéo courte parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous fais des poutou-poutou, c'était Jordan, how are you? Fine, thank you. Ou Yann, c'est comme vous voulez, je sais pas, moi je m'en fous, tu m'appelles comme tu veux.